tu veux procéder, tu veux déguster tous les vustes gâchés, après les framaillés et les gibets, ou tout la terre, tout... Alors attends, donc tu as fait trois essais, c'est ça ? Trois essais, ouais, tout en 2016. Donc la cuvée gibet, le framaillé, le vieux château gâché. Voilà. Alors, par capillarité, l'eau de mer est quand même a pu passer dans la capsule, oui, c'est trempé, j'ai du sel sur les bouchons. Alors on va démarrer par le témoin, bien sûr. Par le témoin, et on fait le témoin et ouais, la mer. Absolument, par série. Voilà. Oui, du vin a priori le moins préparé jusqu'au vin le plus. Donc là, on va appeler ça témoin. Donc vieux château gâché. 2016. Et donc on l'a laissé 12 mois. 12 mois. Et le but c'est quand même de faire un processus que tu puisses. Oui. Et même si on ne connaît pas trop les mécanismes qui se passent, essayer de voir un peu s'il y a des critères qui puissent être reproductibles tous les ans. Donc ça c'est la première année et a priori donc tu devrais pouvoir le faire. Voilà. Alors il faut écrire le vin. Donc ça c'est un vin que tu as mis en bouteille donc en 18. Donc ça nous fait 3 ans de bouteille. Hein. Oui. C'est ça. Oui, il est encore c'est un peu tannique, ouais, il est un peu ferme. Moi, j'ai une belle robe jolie négriotée, épicée, note légèrement boisée, vigneux, sucré. Sans le bois, oui. Sans le bois. Il y a de la fraîcheur, une belle fraîcheur. Oui, une belle fraîcheur. Vigneux, boisé, un peu tannique, je dirais presque un peu fermé, toi, un peu encore. Il en a vraiment sous la pédale, quoi. Donc, un peu tannique, belle fraîcheur en finale. Donc là, on passe, donc, on va marquer mer. Tu pourrais m'attraper un verre, voilà, je vais mettre un témoin à côté, si j'en ai un. Oui, on a un nez qui est plus complexe. Ouais. Plus frais, plus éclatant. On va marquer nez plus frais, plus éclatant, plus complexe. Fondu, plus rond, plus... En première bouche, tu sens pas ce soubresé. Voilà, et le bois est plus fondu. Tu le sens à la fin, les années sont bien présentes. C'est meilleur. Quand c'est versé, c'est plus suave, plus complexe. Ouais, les tanins sont un peu moins fermes. C'est long. Ouais, incroyable différence. Là, tu as quelque chose d'un peu plus serré, un peu plus mat, un peu plus. Dans lequel le bois en ressort un petit peu plus. Là, tu as quelque chose qui est plus goûtu, plus goûtu, plus complexe, plus abouti, je dirais. Oui. Plus abouti. C'est ça en fait, ça fait vieillir le vin sans le faire vieillir, parce qu'en termes de robe et de et même d'aromatique, oui, il n'y a pas de bouquet, il n'y a pas de décadence, il n'y a pas de vieillissement prématuré, parce que tu pourrais penser en disant, pour le rendre le vin un petit peu plus élégant, un petit peu plus suave, tu te dis, ça le fait vieillir, mais non. Parce que le nez, il me paraît même plus complexe, plus frais. Par contre, la bouche, effectivement, il y a un tanin un peu plus classe, tu vois, un petit peu plus sucré, un peu plus fondu. Surprenant. Tout de fou. Il n'y a que les hommes pour faire ça. On est des tarés, quand même. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, oui. C'est vrai, et puis sûrement, là, comment il s'appelle celui qui a fait monter les bouteilles dans l'espace aussi, pareil. Oui, mais il y a une bouteille Pétrus. Oui, c'est Pétrus, oui. Ouais. Mais pourquoi pas, après, il y a le côté média. Bien évidemment. Et le jackpot, parce qu'il paraît qu'elle est montée à des prix de fou. Ils sont montés à... Oui, c'est 25 000 euros, je crois, la carte, quelque chose comme ça. Oui, mais après, on rentre dans le show. Mais quand même, les effets des éléments naturels, tu vois, la mer, la neige, l'altitude, il doit se passer des choses. Un pesanteur, hein, peut-être. Un pesanteur aussi. Oui. Bon. On va passer à fromager.
c'est plutôt cohérent. Là. Ça, oui, commence, en plus, ça commence à grimper. Le nez, il est riche, il est crémeux. Ouf, ce nez, magnifique. Remarquez, nez puissant, crémeux, vineux, toi, tu sens déjà la richesse au nez. Quoi. Waouh! Grand, ample, charnu. Alors là, il n'y a rien qui dépasse. Hein. La même velouté. Un joli retour boisé, pas assez chantop ici. Ah, peut-être que là, ça va être moins évident. On va voir. Parce que quand tu montes un peu l'épaisseur du vin, et là, peut-être que les différences sont un petit peu plus subtiles. En tout cas, ça, c'est bon. Le témoin, j'adore. Ou alors, tu sors des bombes, là. Ou alors, c'est encore plus top. Voilà, allez, capsule. C'est joli, ça. Putain, ce nez, toi. Parce que là, je retrouve des nez de fruits noirs. Oui, oui. C'est un nez charnu. Oh, j'adore le nez, toi. On se rapproche un peu de notre témoin, là. Putain, c'est un nez magnifique. Ah, magnifique. On retrouve le témoin. Ah, peut-être même de la fraîcheur. C'est crémeux. C'est gras. C'est doux en bouche. C'est doux. C'est frais. C'est salivant. On n'a pas l'austérité. Toi, j'allais faire la même chose. Il faut comparer le témoin, puisqu'on a bien aimé le témoin. C'est un plus joli nez sur la bouteille, celle-ci. Hein. Je trouve un plus joli nez sur celle-ci. Hein, il y a plus de facettes. Non, le meilleur, c'est le capsulé. Moi, je mettrais classement. Non, parce que du coup, on voit le témoin, eh bien, tu retrouves le témoin. Oui, côté sucré, mais il y a un peu moins de facettes aromatiques. Et puis de rondeur. Et puis de rondeur. De rondeur en bouche. Un peu plus de maturation, entre guillemets. Ouais. Donc tu vois, le classement, là, je te mettrais 3. Je mettrais mer capsulée. Après, je mettrais le témoin. On va confirmer après, effectivement, là, au bout d'un moment. Mais, bon, en tout cas, il se passe des choses. C'est évident. On le voit qu'il se passe des choses, parce que ça change les vins. Après, il faut voir après dans le temps. Bon, voilà, si c'est surtout reproductible. Ouais. T'en as mis combien, 300 bouteilles En tout, 460. 460 bouteilles. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, intéressant. Allez, on va le voir sur le top niveau. Bon, en tout cas, il y a une belle bouteille. Hein. Le franc maillet 16. Hein. Il y a du pif, là. Voilà. Allez, je vais. Ouais, donc l'objectif, l'objectif commercial et communication, c'est surtout le JB. Avec la forme de la bouteille, je trouve que ça lui, je disais à papa, avec la capsule courte et tout, bouteille. Ça fait vieille bouteille, quoi. T'as l'impression que c'est déjà une bouteille de 1955. Ah ben, c'est les bouteilles antiques. Voilà, on revient aux anciennes bouteilles en verre, qui sont magnifiques. Voilà. Donc ça, je trouvais que ça restait cohérent, je veux dire. Oui, dans l'esprit du discours, on incline cette couleur, papa. Oh, c'est 16 de folie. Donc JB 16. Allez, un témoin. Je croyais que c'était rugueux, non, même pas. Non, c'est ça attaque direct. Ouais, le verre qui attaquait. Ouais. Tu vois? Mais puissant, frais. Sans pas le bois, c'est le vin qui. Ah non, tu sens pas le bois du tout. Oui. Mais non, mais c'est 100%. Tu sens que le fruit, les fruits mûrs, les fruits. Ah, ben ça, les fruits mûrs, ouais, les fruits. Ce que j'appelle la griotte, la mûre, là. Ouais. Mûre myrtille, magnifique. Oui. Petit peu tannique, mais riche, tannique, serré, salivant, pas amer. Salivant, boisé fondu. Ben, tu sens qu'il a un sous la pédale, le coco.
Ben, si vous avez les gardes, hein. Oui. Eh bien, oui. Ben, le gibet, il a été conçu pour ça. Ou alors, si on fait du gibet à bois rapidos, voilà, c'est pas du gibet. Mer capsule. Bon, le nez est très joli. Moi, j'adore. J'adore. Je sais faire même. Moi aussi. On verra, on reroutera après le précédent. Enfin, c'est on discutait, mais je trouve plus de fraîcheur de celle-ci. Ouais. Oui, mais je trouve ça un petit peu plus strict. On va y aller. Mais oui, je suis d'accord. Ouais, plus strict. Mais plus de fraîcheur, plus dans le. Dans le fruit, ça fait ressortir du fruit, oui, presque frais, je dirais. Oui, oui, oui. Bouche croquante, salivante. Oui, j'ai du gras. J'ai un côté huileux. Ouais. Moi, je peux faire le dernier. Oui, oui, oui. Je peux faire le dernier. Il y a un petit peu plus de douceur, un peu plus de classe, un peu plus de finesse. Que le témoin. C'est toujours. Ça même par rapport à ça. Même, oui, par rapport à ça, c'est sûr. Mais après. Entre le témoin et là, après, je vais revenir après. Que c'est plus. Suave, tannin velouté. C'est plus gras, plus enrobé. Élégant. Ah oui, c'est enrobé, mais ça te fait ressortir une jeunesse dans la finesse. Mmh. Oui. Mmh. Hein, c'est, parce que des fois, la jeunesse, elle peut te brûler, mais oui, tout à fait. Là, c'est. En moralité. Les deux, les framaillés et les gibets, c'est la capsule qui ressort le mieux. C'est voilà, la capsule qui ressort le mieux et l'autre, c'est le ciré. Là, c'est le ciré. Là. À confirmer. À confirmer. Là, toi, c'est, tu vois, j'ai marqué tannique serré. C'est ce que je retrouve là. Mais par contre, ça te le lie, ça te le complexifie, ça te le fruite, ça te le. Ben, ça amène quelque chose de plus. Ouais. Non, c'est hyper intéressant. Donc là, moi, je mettrais classement. Je peux te dire qu'actuellement, ils sont tous sur le fruit et le machin, et dans ma bassine avec du fruit. Hein, ils ont dit que c'est du vin, mais là, tu es totalement dans le créneau. Là, et, trois mères capsules. Tout à fait, non, intéressant. Deux mères cirées. J'ai même, et toi, j'ai moins sa perception d'alcool. Alors oui. Là, sur la deuxième, j'avais une perception, et sur la première un peu, mais surtout sur la deuxième, j'avais une perception d'alcool en fin de bouche. Ouais. Alors que là, je l'ai. Mais ça lui remonte de la fraîcheur, ouais. Là, enfin, ce que j'appelle oui, la fraîcheur. La fraîcheur, hein. Et le fruit, ce petit fruit frais. Ouais. Et ça te gomme tout. Il faut faire ça maintenant. On va faire venir la mer jusque-là. On va ouvrir les vannes et puis on ça va. Y est. Oui, ça y est. Bon. Bon, non, mais super. Après, si on peut utiliser le marketing et le commerce avec en plus le résultat. Mais moi, je crois que vraiment sur les matrices les plus riches, je pense que c'est hyper intéressant. Après, oui, sur ah non, mais c'est bien pour ça. Et puis, tu vois, c'est ton idée de le faire sur le JB, ouais, c'est voilà, clair. C'est ouais. sur la JB. Alors, le château gâché, bon, voilà. Est-ce que ça sera juste quelques JB pour faire un vin encore plus haut de gamme, voilà, et puis. Et vendre en marquette, bien sûr. Ou est-ce que c'est généralisé sur le JB parce que. Comme pour la JB, on fait vieillir un an de plus dans le chai déjà, naturellement, que les autres. Ouais. Alors, ça peut être voilà, un service, entre guillemets, que tu apportes. Ouais, Supplémentaire. C'est buvable de suite. Hein. Mais oui, tout à fait. J'ai l'impression, j'ai cette impression-là. Ouais. Je trouve que ça amène un peu de finesse, toi, dans notre façon un peu de construire les vins. C'est sûr qu'on fait des vins, oui. On le sait. Hein. Oui. C'est oui. On aime ça, on fait des vins puissants, qui vieillissent, etc. Et je trouve que ça lui amène un petit touche de polissage supplémentaire. Tout à fait. Charles de feuille ou pas? Comme porte, tu la donnes dans le tout. Non, mais elle est déjà prête. Alors, donc, qu'est-ce que tu me fais goûter là? Alors, ça va être des barriques, donc. Ah, c'est les fameux fûts. Donc là, on fait essai.
Alors, c'est tout d'une analyse M+. Donc, et c'était donc des quarts. Oui, des quarts, 60, 65, 68. Les anguilles ont bien gras. Oui, 68, 3. C'est le gras des anguilles. C'est gras. C'est ça. Et fait un quart, quart barrique, nadalier. Voilà, M+. Sur quel millésime? Alors, ben, c'est celui qu'on a sorti, 2019. 2019, c'est parti. Alors d'abord le témoin, le... d'abord... Ah, pareil, 225 litres. 225 si. Litres, oui. Ah, donc c'est 225, ouais. Voilà. Donc 225 litres. Voilà, le témoin. Et c'est P8, c'est le long P8. Ah ouais, c'est pas le 2016. C'est pas le 2016, c'est pas le... On finit sur la gilet. C'est plus fluide, c'est quand même... Non, mais... c'est pas plus fluide. C'est plus fin, plus... Ouais. Mais c'est plus tannique en fin de bouche, ouais. C'est normal. Le boisier, ouais. Le boisier un peu plus strict. Oui. Ça marque un peu de chair. Oui, parce que c'est que le départ, il te prépare pas la bouche. Ouais. Et oui, après, là, c'est plus jeune. Et puis 2019, c'est pas 2016. Ouais. Donc... Ouais. Donc là, il faut se recadrer un peu. Bon, ok. Allez, donc là maintenant. Alors, donc là, tu as. Donc c'est des 60 litres, oui. Mer. Oui, non sulfité. Non sulfité. Et si sulfité. Oui, sulfité avant, mais pas pendant. Il n'y a pas de. Donc, là, il a passé un an. Et là, tu n'as pas réajusté. Non. Il est brut de pomme. Tu viens juste de le prélever. Juste avant que tu arrives. D'accord. Oh putain! Oh là là là! Ah écoute, j'ai mis un brut de pomme! Hein. Hey, brut de pomme! Hein. Ah, ouais, ça, brut de pomme! Hein. Wouh! Putain, ça fait iodé sulfuré! T'as mis la chaussette, hein! Je dis que. Pompe aromatique! Arrêtez de mettre le nez, maintenant. Oui, tu peux l'aérer. Après, j'ai pas de carafe, mais... Il va passer un petit peu le truc. Je sais pas, on va voir. Alors, je laisse ouvert, on redégustera cet après-midi. Hein. Oui. C'est pas très grave. Mais moi, je te dis, je l'ai sorti, et voilà. Brut de décoffrage, hein. C'est le côté marin que je sens ou quoi là? Et surtout, c'est la diluée. Ça fait à queue. Oui, non, mais tu sais. Alors, est-ce que c'est la réduction? Peut-être un des deux, mais. Que je ressens en bouche? Moi, je trouve ou est-ce que c'est le côté marin? Moi, je trouve ça mince, liquide. Tu pourras faire une analyse d'alcool là-dessus? Oui, oui, oui. Tu fais entre ton témoin. Je suis sûr qu'il a été dilué à l'eau de mer. Il y a un côté. Migration de, tu vois, ouais. C'est un peu comme dans les caves qui sont trop humides, ouais. Quand tu as 100% d'hygrométrie, nous on l'avait vu à Ozone, tu avais une baisse de l'alcool. Moi je trouve ça un peu liquéfié, me semble-t-il. Oui, oui, moi je trouve aussi, ça un peu liquide. Mmh. Hormis le nez là qui chouane, qui machin. Ça lui a donné un goût bizarre. Oui, certes, mais par contre la bouche, moi je la trouve plus simple. Ah oui, oui. Donc je vais marquer bouche plus simple. Faut faire l'alcool, on va vérifier. Faut plus simple, plus liquide. On va marquer élégante. Ah, il faut bien aérer. Ah, est-ce que c'est réversible? J'espère. Hein, mais je ne sais pas. Parce que je trouve que ça s'accroche. D'habitude, tu sais, quand c'est un peu, quand c'est juste un peu, ah, mais là, tu le secoues deux ou trois fois. Mais d'un côté, il a jamais vu. Il n'a jamais vu, hein. Même pas par la barriquette. La micro-oxygénation ménagée, elle n'a pas été faite là. Parce que t'apportes le bois, il est vite compensé par la vite. Mais moi, je retrouve le goût de l'odeur. Et donc, je dis que. Ouais, c'est un goût iodé, oui. Iodé salé, mais. Super. Bon, mais. Bon, super intéressant. Je vais essayer de tenir ma langue, hein, parce qu'il y a vraiment des choses à gratter là-dessus. Là. C'est...
Ça m'a déjà bluffé avec les vins Moyen-Âge, mais là, sur les jolis vins, plus la matrice est épaisse et plus ça nous amène de la finesse, me semble-t-il. Oui, hein. Oui. Ouais, ça rejoint un peu ton idée de le mettre sur les super hauts de gamme, peut-être pas la totalité, parce qu'effectivement, en logistique, après, si tu arrives à le valoriser. Après, voilà, et d'un valoriser, et puis de deux, à le mettre en place, parce que c'est pareil, il faut voir si par exemple, là, je ne me verrais pas avoir 4000 bouteilles là devant, machin, après, il faut que je nettoie et tout. Il faut que je nettoie tout sur place, donc il faut que j'emmène le Karcher, que logistique, c'est quand même assez tout s'organise, c'est pas après, si tu le valorises.